fait ce qu'on fait depuis des années, une fois par an. On fait la tournée des fermes pour constater les améliorations, parce que chaque année, les agriculteurs améliorent l'environnement, et on va donc visiter toutes les fermes de la commune pour justement les noter et distribuer l'aide que donne la commune pour l'embellissement des fermes. Et c'est important l'agriculture à Saint-Gervais ? Ah bah, c'est un élément essentiel, c'est un pan de l'économie d'une commune comme Saint-Gervais. À côté des autres activités, l'agriculture est le pivot. D'abord, ce sont nos racines, c'est l'agriculture et le monde rural est à l'origine de tous nos villages et de nos communes de montagne. Et aujourd'hui, c'est effectivement essentiel. Il ne pourrait pas y avoir de tourisme sans agriculture. Il ne pourrait pas y avoir de ski sans agriculture. Il ne pourrait pas y avoir de bon fromage sans agriculture, sans alpage et sans ferme dans les vallées. Donc c'est important de les soutenir. Ah bah, c'est primordial de les soutenir, de les comprendre déjà, de comprendre leurs besoins. C'est-à-dire qu'il faut effectivement qu'une collectivité et qu'un conseil municipal puissent répondre à leurs demandes, à leurs besoins, essayer de trouver toujours les meilleures solutions possibles pour permettre le maintien de l'agriculture, mais mieux, et c'est ce qu'on a réussi à faire à Saint-Gervais, de faire en sorte qu'il y ait des jeunes agriculteurs qui s'y installent. Et là, c'est une vraie fierté pour tout le monde, parce qu'on sait que l'agriculture sera pérenne dans un village et dans une commune comme Saint-Gervais, et c'est le cœur de la vie. Ça s'appelle un triangle. C'était le moyen d'ouvrir les routes à l'époque où il n'y avait pas de camion qui possédait une étrave devant. Donc les agriculteurs, ils faisaient d'abord leur ménage le matin, soignaient les bêtes, puis après ils se donnaient rendez-vous quand il neigeait, par exemple à 9h, rendez-vous à un endroit où était garé le triangle, et les chevaux, ils arrivaient de Saint-Nicolas ou des hameaux à côté, et puis ils en mettaient 5 ou 6 ou 7 suivant la hauteur de neige qui était tombée, quoi. Et ils avaient même poussé le vis plus loin, parce qu'ils avaient fait, un système de, comme l'aileron. Ils avaient ici, ils avaient mis une aile sur le côté. Ouais. Une planche comme ça sur le côté, bien, bien serrée. Ça fait que la neige, elle montait sur la planche et elle se déversait derrière. Le principe de l'aileron, quand il a une étrave devant, puis il a des ailes de chaque côté. Eh bien, eux, ils avaient déjà, à l'époque, c'est pour ça qu'il y a les ferrures qui sont là. Ils avaient une planche en biais qui faisait que la neige, une partie de la neige montait et ça la permettait de la basculer sur la moraine. Pour ne pas charger plus la moraine. Ça la faisait basculer en bas. Donc, et quand ma fille, l'anecdote, quand ma fille s'est mariée le 15 octobre 2015 à 15h, il y avait 15 cm de neige. Non, le 15 mai. Il y avait 15 cm de neige ici. Ben, les gens du mariage, ils n'étaient pas équipés ni rien, même pour la Saint-Nicolas. Et ben, derrière le Lada, j'ai accroché ça. Puis j'étais tourné à Saint-Nicolas, puis je suis revenu. Ça fait qu'ils ont... C'est pour ça qu'il est prêt à partir. Si un jour, je ne vais pas arriver à la commune, j'accroche derrière mon 4x4, au moins pour descendre jusqu'un peu loin. Puis je l'ai remonté, puis je l'ai mis là. Il reste là. Principalement des mâles. Ouais, ok. Puis parce que des femelles, on en a une dizaine. Ouais.